Ici, c'est Kanaki. Cette terre n'est pas avant. Désolé, cette terre n'est pas avant. Ici, c'est le pays Kanak. Quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, ici, c'est la terre du peuple Kanak. C'est notre victoire ce soir. 43% de oui. Pour certains, ça peut paraître bizarre, mais nous, c'est aussi une victoire de voir que dans certains endroits du pays, le oui a quand même remporté largement. Et aussi dans Nouméa, le Grand Nouméa, il y a quand même une avancée. Ça a été une belle surprise, mais même si le non a gagné, c'est pas ça qui change. C'est notre pays, on est fiers d'être Kanak. On sait qu'on va se réveiller demain et on est français. On s'est battu depuis des mois pour rester français. Ça reflète tout à fait la mentalité du pays et il faut respecter ces indépendantistes qui représentent quand même 50% quasiment maintenant en fonction des chiffres. Il faut les respecter, il faut aller vers eux et les amener vers nous et nous aller vers eux. Je pense que c'est le seul chemin qui nous reste à faire. Ça n'a aucun intérêt de faire un deuxième référendum. Si le score se confirme comme étant sans appel pour le non à l'indépendance, je me demande quel est l'intérêt des indépendantistes de poser une deuxième et une troisième fois la question, dans la mesure où dans 2 ans et dans 4 ans, le résultat sera sans doute le même et que ça fera, au lieu de une défaite, 2 ou 3 défaites.